donc que nous commencions tout de suite cette table ronde. Vous avez vu le dernier panneau qui vous disait que nous avons plusieurs intervenants. Il y a une difficulté, c'est que on nous impose ce soir de terminer à 22 heures, donc il faudra que nous terminions impérativement à l'heure juste nos débats cet après-midi, ce qui implique que comme nous sommes un petit peu en retard, les tables rondes vont devoir être très minutées, donc d'avance je m'excuse auprès de nos intervenants, il va falloir que nous soyons très rapides, très concis, donc je les appelle tout de suite, nous avons deux grands témoins pour cette table ronde. Le premier, c'est M. Jean-Baptiste Lemoyne, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il n'est pas présent physiquement. Il a une conférence de presse à 14h à Paris. Il va intervenir en visioconférence, nous ne savons pas quand. Donc, ce que je vous propose, c'est que quand il sera là, nous lui donnerons la parole. Peu importe où nous en serons, nous pourrons lui poser une ou deux questions. Et nous avons un autre grand témoin qui, lui, est bien là et qui va passer toute cette table ronde en notre compagnie, c'est M. Pierre Ducret, que j'appelle tout de suite. Merci de me rejoindre. Et nous avons six intervenants. Le protocole nous impose à les inviter en deux temps. Ils resteront là, bien sûr, les trois premiers après pour le débat avec vous, avec la salle. Et je les appelle tout de suite pour les trois premiers. C'est Marie-Noëlle Battistel, Marie-Claire Pierret et Alexandre Molin. Merci, mesdames, merci, messieurs, et merci de les accueillir. Pendant que vous vous asseyez, je rappelle donc que, ou je vous dis que M. Pierre Ducret est président de l'Institut de l'économie pour le climat, I4CE, Marie-Noëlle Battistel, qui est députée de l'Isère, Marie-Claire Pierret, directrice de l'Observatoire hydrogéochimique de l'environnement, et Alexandre Molin, qui est le président de Domaine skiable de France, mais je les représenterai au fur et à mesure de leurs interventions. Donc, merci mesdames, merci messieurs. Voilà, Marie-Noëlle Battistel, Marie-Claire Pierret, Alexandre Molin, vous pouvez, une fois que vous êtes assis, je vous propose, si vous le désirez, d'enlever votre masque et de le remettre, par contre, lorsque vous quitterez cette scène. Pierre Ducret, je vais commencer avec vous, si vous le voulez bien. Je l'ai dit, vous allez être grand témoin, c'est-à-dire que vous allez rester pendant toute la durée de cette table ronde. Donc, n'hésitez pas si vous avez à intervenir. Normalement, vous avez chacun un micro et nous avons des étudiants de l'université de Corti qui sont là pour donner un petit coup désinfectant au micro entre les deux plateaux. Pierre Ducret, je l'ai dit, vous êtes président de l'industrie de l'économie pour le climat. En fait, la première question qu'on pourrait vous poser, on parle d'adaptation, adaptation au changement climatique. Est-ce que pour vous, c'est un sujet qui est suffisamment traité ? Merci. D'abord, je suis très honoré d'être le grand témoin de cette table ronde. Merci beaucoup de m'avoir proposé de jouer ce rôle et je vais essayer d'être à la hauteur. Sur la question de l'adaptation, oui, d'abord, je voudrais rappeler, parce que souvent, il y a confusion quand on parle d'adaptation, il y a bien deux objectifs sur la question du climat. Il y a l'objectif de réduction des émissions, la cible étant d'arriver à, comme vous le savez, la neutralité des émissions net zéro en 2050, et puis d'autre part l'objectif d'adaptation au changement climatique, parce que de toute façon le changement a lieu, vous le savez, vous particulièrement élu de la montagne, et quel que soit le succès que nous espérons tous des politiques de réduction des émissions, le changement climatique est déjà, le réchauffement est déjà à l'œuvre, et il faut s'y adapter, et partout dans le monde, c'est pas seulement pour le delta du Gange, c'est pour toute la surface terrestre. Et je pense en effet, mais en tant qu'observateur de ce sujet depuis longtemps, aussi bien à l'échelle internationale qu'à l'échelle, à des échelles très locales, que la question de l'adaptation est sous-traitée par rapport à la question de la réduction. Et c'est un véritable paradoxe, parce qu'en fait, c'est la question la plus concrète. C'est celle sur laquelle on peut tous être témoin de ce qui se passe en matière de réchauffement climatique. Et souvent, d'ailleurs, c'est une bonne façon, travailler sur la question de l'adaptation, c'est une bonne façon de faire prendre conscience aux acteurs individuels, entreprises, collectivités locales, des nécessités de l'action pour la réduction. Et dans bien des cas, il y a d'ailleurs cohérence entre les deux types d'action. Donc, en fait, ce n'est pas assez traité, et ce n'est notamment pas assez traité au niveau
politique. Et il faut avoir des partenaires, des interlocuteurs. Vous en trouvez avec l'ANEM, j'imagine. Ah bah bien sûr, parce que vous êtes, vos territoires sont les territoires qui sont, évidemment, vous le savez, je ne vais pas vous faire l'article là-dessus, particulièrement impactés, particulièrement vulnérables au changement climatique. Et donc, vous pouvez jouer un rôle important. Quand je dis que c'est sous-traité politiquement, je veux dire qu'on en parle finalement relativement peu. Il y a, à l'échelle française, un plan national d'adaptation au changement climatique qui est traité par un valeureux petit service dans une administration. Il y a eu un rapport parlementaire du sénateur Ronan Dantec, qui était de très bonne qualité, d'ailleurs, qui a bien souligné les insuffisances. Il y a quelques collectivités locales très en pointe sur ce sujet, mais elles sont peu nombreuses. Je voudrais citer la Nouvelle-Aquitaine et la démarche qu'a lancée la région avec l'appui d'Hervé Letreux, qui est la démarche Climaterra, qui a mobilisé les ressources scientifiques locales pour déclencher en fait une dynamique dans ce domaine. Je voudrais citer la ville de Paris, qui fait des choses très intéressantes dans le domaine de l'adaptation. Mais alors, dans vos territoires de montagne, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Je voudrais citer, par exemple, le territoire du Vercors, qui d'ailleurs a été lauréat du prix de l'adaptation de l'ADEME, si je ne me trompe. Et j'ai regardé rapidement, pour tout vous dire, ce matin, le schéma simplifié du travail d'adaptation qui est fait par le Vercors, c'est absolument remarquable. Mais si vous voulez, c'est minoritaire. C'est-à-dire que cette question est importante. Et je pense que ce déficit de prise en compte politique est tout à fait dommageable à l'action dans ce domaine. Ça doit pouvoir s'appuyer notamment sur des modifications des méthodes de planification. L'adaptation est par définition un sujet local, territorial, bottom-up, ascendant, si vous voulez, pas un truc sur lequel on peut appliquer des grandes politiques nationales, contrairement à la question de la réduction, où il y a vraiment des politiques publiques nationales qui ont une efficacité indiscutable, énergie, parce que mobilité, etc. La vraie différence, c'est vrai qu'on vous le disiez, on peut faire des plans, on peut se projeter, avoir des programmes. Par contre, quand on parle d'adaptation, il y a une notion qui est différente. L'adaptation demande à ce que ça soit pratiquement au jour le jour, qu'il faut adapter ce qu'on avait déjà prévu. Tout doit changer en permanence. Alors ça, c'est encore le... Oui, c'est en plus une des caractéristiques du problème, c'est que l'adaptation nous amène à agir en situation d'incertitude. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à un risque. C'est très différent. On sait finalement pas si mal que ça traiter des risques. Là, on est face à quelque chose qui est plus de l'ordre du risque, qui est de l'ordre du constat, mais en revanche avec beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer. Et donc, il faut apprendre à faire de la planification de l'action et de conduire des politiques publiques, conduire des transformations de la société, en fait, et de l'économie, de façon continue, avec beaucoup de flexibilité, en s'adaptant justement à la nécessité de s'adapter, si je puis dire. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ça demande... C'est une nouvelle façon de faire de la politique, c'est une nouvelle façon de gérer, c'est une nouvelle façon de diriger, de prévoir. Je pense. Et je pense que ça appelle notamment beaucoup de délibérations collectives, beaucoup de travail avec les citoyens, parce que faut dire les choses comme elles sont. Il y a des choses auxquelles il faudra renoncer, et il y a des choses auxquelles il faudra profondément transformer pour pouvoir les continuer. Donc ces arbitrages vont pas pouvoir se faire dans les conditions habituelles. Dans tous les cas, tous les pays où on voit des stratégies d'adaptation audacieuses, confrontées, je pense particulièrement, si vous voulez, plus spectaculaires, c'est ce qu'ont fait les Pays-Bas sur les questions des polders en décidant d'abandonner des territoires, etc. Mais c'est ce que fait aussi le Grand Londres sur la Tamise, où on a vraiment des exemples formidables, si vous voulez, ou New York, d'adaptation. Je prends des choses qui sont loin de la montagne, mais si vous voulez, c'est la même dynamique qu'il faut mettre en place. Ça passe par un travail vraiment de débat démocratique extrêmement profond et dont on doit tirer toutes les leçons. Mais si vous me permettez de rajouter un mot, parce que là, j'ai parlé que de politique, il faut aussi parler, pour l'adaptation, il faut parler d'économie. C'est très, très important. C'est-à-dire que... Donc les entreprises, mais on va en parler justement. C'est-à-dire juste que après. Non seulement il faut plus de politique pour l'adaptation, mais il faut aussi plus d'économie. D'une certaine façon, il y a déjà une économie de la réduction des émissions. Il y a... Heureusement, on peut tous s'en réjouir. Maintenant, il y a une économie de la mitigation, comme on dit dans le jargon mondial. L'énergie, la mobilité, etc. On voit bien qu'il y a des grands mouvements qui se sont créés et qui déclenchent.
dans l'adaptation, on n'a pas encore une économie de l'adaptation. On a des grands sujets, des grandes angoisses, des grandes préoccupations, notamment sur les infrastructures, des choses comme ça, mais ce n'est pas encore quelque chose qui pénètre le tissu économique. Alors que c'est possible. Et je termine, pardon, je ne vais pas être trop long, sur un exemple. Et un exemple qui va me permettre de faire un petit éloge de ma maison mère, la Caisse des dépôts, dont je suis un vieux serviteur après en avoir été un des dirigeants pendant une quinzaine d'années, parce qu'il se trouve que la grande filiale patrimoniale de logement de la Caisse des dépôts qui s'appelle CDC Habitat, que certains d'entre vous doivent bien connaître, vient de lancer un truc que je trouve très très intéressant. Je l'ai découvert il y a quelques jours, parce que j'ai plus de fonction opérationnelle, moi, à la Caisse des dépôts, mais quand même, formidable. Ils lancent sur la totalité de leur patrimoine un diagnostic de résilience des immeubles, si vous voulez. Et donc quelque chose qui a l'ambition, avec un indice de résilience, qui a l'ambition d'être aussi puissant que, aussi clarifié, mais peut-être même mieux, j'espère, que le fameux diagnostic de performance énergétique. Et vous voyez, ça peut déclencher ça peut être un élément déclencheur d'une économie, parce qu'à ce moment où vous faites ça, ça vous amène à déclencher des opérations de maintenance différentes, à faire appel à des techniques de construction et d'architecture et en fait, bioclimatique, tout doit changer, tout et doit ça s'enchaîne. Et voilà typiquement une opération d'un grand acteur qui va entraîner beaucoup de choses. Dans l'agriculture, ça peut être du même ordre, si vous voulez. Il faut déclencher de l'économie. Voilà. Merci Pierre Ducret, n'importe comment. On va vous retrouver au long de cette table ronde, mais vous avez introduit le débat, effectivement, en parlant des entreprises, en parlant du domaine économique. On va bien sûr parler du tourisme, avec une réponse qui peut s'articuler autour de différents axes, l'approche territoriale, la diversification, le renouvellement de l'attractivité, l'amélioration de l'offre. Et on va parler de ça, entre autres, avec Alexandre Molin, qui est président de Domaine Skiable de France, nos stations de ski françaises. En gros, c'est clair, vous, ça fait un petit moment que les domaines skiables de France se sont posé cette question. Il faut s'adapter, il faut changer. Vous êtes déjà dans ce changement, déjà dans cette dynamique. Oui, on est dans cette dynamique, mais c'est un sujet qu'on n'a pas osé traiter pendant longtemps. Parce qu'à chaque fois qu'on voulait sortir sur un sujet qui était celui de l'environnement et du réchauffement climatique, on se faisait attaquer comme étant les pollueurs, les mauvais élèves, les méchants, ceux qui sont morts dans 5 ans. Parce que certains de nos opposants nous disent « Pourquoi vous bougez ? Puisque dans 5 ans, vous n'êtes plus là. » Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir suffisamment d'études, de scientifiques reconnus qui participent au rapport du GIEC, de l'INRAE, de Météo France, qui donnent une visibilité sur notre avenir. Et cet avenir, il est totalement dépendant du réchauffement climatique. Donc de la production de gaz à effet de serre. Donc à un moment, on s'est posé et on a voulu faire quelque chose de très collégial qui embarque tous nos acteurs de la chambre professionnelle. Parce qu'on aurait pu très bien prendre les plus grands acteurs, notamment qui dépendent financièrement de la Caisse des dépôts, et faire un beau plan, comme certains le font, quelque chose de très lissé. Non, on s'est posé, comme toujours on l'a fait dans notre profession, on s'est assis et on a regardé ce qui pouvait nous fédérer. Et on a fait de manière démocratique un ensemble d'engagements, 16 éco-engagements, que tous les acteurs s'engagent à mettre en œuvre pour la préservation de la montagne. Alors, 16 éco-engagements, on va y revenir, on va donner quelques exemples, on ne va pas les lister, mais on va vite comprendre. Mais en fait, cette idée, c'était de commencer à faire quelque chose. En gros, vous n'avez pas attendu que tout le monde, que tous les acteurs économiques et politiques de la montagne se mettent en marche. Vous êtes dit, on y va. Ben, quand on est 250 déjà à devoir se mettre d'accord, c'était déjà une échelle assez importante pour partir de nous-mêmes. Et puis, on voit les glaciers reculer, on voit les blocs tomber, on voit le permafrost reculer. Donc, il y a un moment, on est au premier rang tous les jours dans notre travail pour se rendre compte de ces effets-là. Donc, à un moment, il fallait qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on avance. Et on n'allait pas attendre et on voulait vraiment, à un moment, que ce soit un acte fédérateur d'une action commune. Par contre, vous avez commencé, mais ce que vous espérez maintenant, c'est que d'être rejoint, en fait. Alors, au-delà d'être rejoint, on a ouvert toutes nos actions à des partenaires qui voulaient les faire avec nous. Le syndicat Par des exemple, moniteurs, oui. L'ANEM, la NMSM participent à certaines des actions. On leur a proposé. D'ailleurs, mais on les a plus largement, les associations de défense de la nature, est-ce que vous arrivez à dialoguer, à emmener ces partenaires, ces interlocuteurs? Oui, en termes d'ONG. Devenir des partenaires. En termes d'ONG, on a rencontré 5 ou 6 ONG, on doit encore en rencontrer prochainement. Le but, c'est
de travailler et puis peut-être de faire évoluer nos engagements dans le futur, parce que c'est une première marche qui est déjà haute à l'échelle de notre profession, mais on est prêt à aller plus loin. Et on le fera ensemble, parce que c'est tous ensemble qu'on est plus fort et qu'on pourra aller plus loin. Ces 16 éco-engagements, on ne va pas les lister les 16, les principaux, qu'on comprenne vraiment quel est l'état d'esprit de ce que vous êtes en train de faire. Déjà, on n'a pas voulu faire une opération de peindre en vert, de greenwashing, comme souvent certains aimeraient le faire. Donc on est reparti, on a pris les 5 piliers qui sont l'eau, l'agriculture, la biodiversité, les paysages et le climat, donc les gaz à effet de serre. On va dire que celui qui est le plus retenu de nos engagements, c'est la neutralité carbone, objectif 2037. Et quand on dit neutralité carbone, dans notre plan, il n'y a pas de compensation. C'est que du défi technologique pour transformer, entre guillemets, nos technologies afin de ne plus émettre de gaz à effet de serre. On sait très bien qu'aujourd'hui, ce qu'on a émis et ce qu'on émet, c'est le climat qu'on aura en 2050. Ce qu'on va émettre les prochaines années, ce sera le climat en 2100. Donc si on veut avoir une espérance de survivre, il faut absolument qu'on aille plus vite encore ce que prévoient les accords de Paris ou l'objectif français de neutralité carbone à 2050. Et après, il y a un vrai point sur la gestion de l'eau, parce qu'on a souvent été attaqué sur notre consommation d'eau, qui en fait est un emprunt, puisqu'on le restitue tel quel à la nature. Et aujourd'hui, on sait qu'il faut absolument discuter au niveau local, sur chaque bassin versant, des possibilités de produire de la neige de culture. Ce n'est pas un grand plan Marshall au niveau national qui pourra définir si on peut ou non faire de la neige de culture. C'est l'étude de chaque bassin versant, comme avec la Claye, que Marie-Noël préside. On va en parler juste après, bien sûr. Voilà. Il y a des vraies discussions qui doivent s'ouvrir. On doit poser les sujets sur la table. Tous, on ne sera pas gagnant, mais à un moment, on doit être réaliste sur ce qu'on peut faire dans l'avenir. Ces éco-engagements. Donc, Domaine skiable de France, Pierre Ducret, c'est une belle opération. C'est une très, très belle opération. Approchez-vous du micro. C'est une très, très belle opération. Et j'avais juste une question à propos de l'objectif de neutralité carbone. Vous y intégrez le scope 2, si je puis dire, c'est-à-dire, ou scope 3, c'est-à-dire les déplacements, en gros, de vos clients? Non. Alors, aujourd'hui, on est déjà resté sur notre premier périmètre. Il y a deux autres périmètres dans le bilan carbone du tourisme. Il y a celui du déplacement des clients pour venir. Mais là, on va être très clair. La transformation de la voiture, on ne la maîtrise pas. C'est un sujet qui est mondial, parce que le litre de gasoil consommé, que ce soit pour venir en montagne, pour aller au bord de la mer ou sur le périphérique, c'est le même. Et après, il faut qu'on arrête de complexer là-dessus, parce qu'un client qui viendrait en France skier, on a calculé pour une famille de 4 personnes qui vient de Paris, c'est 200 kg de CO2. Alors que s'ils partent à 4 sur un vol moyen courrier de 10 heures, long courrier, c'est 16 tonnes. Donc à un moment, il y a une transformation qui s'opère dont on n'est pas maître. Il faut comparer ce qui est comparable. Non, puis on ne va pas s'arroger une transformation dont on n'est pas maître. Et après, je sais que des fédérations comme le syndicat des résidences de tourisme, et après, il y aura un vrai pilotage des élus sur la transformation de l'immobilier de loisirs en station et sur la durabilité. Donc, on n'allait pas aller dire aux autres ce qu'ils avaient à faire. Restons déjà à mettre chez nous, commençons par bien faire chez nous, et nous nous fédérerons auprès des autres acteurs qui vont se lancer aussi pour faire une union de la montagne. Merci Alexandre Molin. On reste dans le sujet, mais on va prendre un exemple précis pour mieux comprendre et pour voir, c'est un peu en exemplarité, ce qu'il est possible de faire avec Marie-Noëlle Battistel. Vous êtes députée de l'Isère et vous allez nous parler, madame, de ce que vous faites avec la commission locale de l'eau, la Claye, de Drac-Romanche. En fait, c'est un projet, une idée de schéma de conciliation de l'enneigement artificiel. On va parler de ça, on parlera ensuite d'une étude. En fait, c'est une vraie originalité, l'idée, comme Alexandre Molin a commencé à l'évoquer, l'idée c'est de gérer localement, mais avec tous les partenaires, tous les interlocuteurs. Oui, effectivement, je vais vous parler un petit peu de la Claye, qui est un parlement de l'eau, qui est constitué à la fois d'élus, mais aussi d'associations environnementales, de la Fédération des pêcheurs, des industriels, de tous les usagers de l'eau. Et sur quel territoire, en fait ? Et des services de l'État sur le territoire Drac-Romanche, qui est composé de 117 communes dans le sud de l'agglomération grenobloise, pour situer un petit peu géographiquement. Et donc, la Claye a pour objet, en fait, l'élaboration et la mise en œuvre du SAGE, qui est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, que chacun ici doit connaître. Et donc, dans le SAGE, il y a plusieurs actions que nous avons souhaité mettre en œuvre, dont le schéma de conciliation de neige de culture, puisque aujourd'hui, au regard des enjeux de l'évolution touristique en montagne, des investissements qui sont portés par les stations de montagne ou les collectivités de montagne, il nous paraissait important aussi
de leur permettre d'avoir des données fiables sur la ressource en eau, sur le partage de l'eau, puisqu'aujourd'hui, on est face à un multi-usage de l'eau, et il faut que chacun puisse y trouver sa place et ait une visibilité. Alors, tout à l'heure, on parlait d'adaptation, mais l'adaptation, c'est aussi prévoir, c'est aussi se servir du passé, se servir des analyses du présent pour pouvoir s'engager vers l'avenir et s'adapter à l'avenir. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, ce schéma de conciliation avait déjà été fait en 2008-2009. Il s'agit aujourd'hui de le réactualiser puisque les ressources en eau évoluent sur les différents versants et de donner vraiment une feuille de route massif par massif sur les ressources en eau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir puiser? Comment on va le partager? Comment et où on va le restituer? Donc, de manière très précise. Alors, comment vous allez intervenir? C'était sûrement ce que vous alliez dire. Mais comment faire? Est-ce que vous allez jusqu'à de la coercition ou vous êtes là pour donner un avis qui sera suivi ou pas? Non, alors, il y a eu une étude départementale, et c'est ce que je voulais souligner, aussi sur ce que le département de l'Isère, à un moment donné, s'est posé la question. On est sollicité par les collectivités ou par les opérateurs pour financer de la neige de culture. Mais est-ce que c'est finalement très pertinent ici ou pas? Et donc, ils ont fait une étude qui avait une vocation plus économique, mais également sur la ressource, mais un peu moins sur la question de la biodiversité et du multi-usage de l'eau. Donc nous, on va se servir, parce qu'il ne s'agit pas de refaire des études pour faire des études, aussi de ces données-là, pour pouvoir élargir le sujet. Et ensuite, la clé, pourquoi on a eu cette idée et cette orientation, c'est parce que le préfet de l'Isère, et sûrement d'autres préfets en France, sollicitent la clé pour avis à chaque fois qu'il y a un projet dans le département qui touche à la question de l'eau. Alors, soit la neige de culture, mais aussi la géothermie, mais également l'hydroélectricité. Et donc, on était finalement, quelquefois, assez démunis de bases solides pour pouvoir donner un avis éclairé. Donc, aujourd'hui, on s'est engagé sur cette étude, et je pense qu'on pourra, à la fois pour les avis qu'on donnera, mais à la fois pour les collectivités et pour Domaine skiable de France, avoir une base de données solide de toute la question de l'eau, qui comprend évidemment l'ensemble du multi-usage. Puisqu'on parle d'hydroélectricité, et également, je crois qu'il y a également une étude que vous êtes en train de lancer. C'est une étude qui est tout à fait originale, puisque vous posez la question, en fait, de l'utilisation, du multi-usage, de l'utilisation de l'hydroélectricité, ou en tout cas des retenues d'eau qui sont faites pour l'hydroélectrique, ce qui ne se fait pas normalement en France. Alors, pas seulement sur l'utilisation de la ressource en eau et des bassins des retenues hydrauliques, mais aussi de l'opportunité d'utiliser les barrages hydroélectriques pour la prévention des crues. Donc ça, c'est sur un autre domaine. Depuis très longtemps, les DREAL considèrent que les barrages sont totalement transparents, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas, et on continue à dimensionner des ouvrages de protection à l'aval comme si le barrage lui-même n'effectuait pas son rôle d'écréteur de crue, ce qui est fait dans nombre de barrages, pas tous, certains n'auront pas cette possibilité, mais beaucoup l'ont. Donc il s'agit, par le biais de cette étude qui est effectivement expérimentale en France, puisqu'il n'y en a pas eu d'autres, d'étudier au cas par cas chacun des ouvrages, qu'est-ce que cet ouvrage est capable potentiellement de fournir comme protection dans la gestion des crues, mais aussi pour le multi-usage, pour donner une partie de l'eau à des moments particuliers, à l'agriculture, à la neige de culture, etc. Et ça se fera évidemment différemment sur chacun des massifs. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est une question qui ne se posait pas, parce qu'il y a un opérateur qui, lui, gère un ouvrage et qui a effectivement une productivité, une rentabilité en attente. Donc là, il ne peut pas non plus distribuer l'eau. Voilà, mais l'opérateur, il est très vigilant à ce que son barrage soit protégé. Donc il fait déjà de l'écrêtement, il fait déjà de la prévision. Aujourd'hui, il s'agit aussi de prendre en compte ce qu'il fait déjà, ce qui peut le faire davantage. Évidemment, quelquefois, ça sera le choix entre produire ou protéger. Et la question se posera, c'est le deuxième volet de l'étude, de la question économique. Est-ce qu'il faudra indemniser l'opérateur pour faire de la prévention des crues parce qu'on en a besoin et qu'à ces moments-là, il ne peut pas vendre sur le marché? Donc voilà, on va au bout de la démarche. Pierre Ducret ?
Je trouve que cette démarche est absolument remarquable. D'abord parce qu'elle part quand même de la géographie. Je crois que l'adaptation, c'est d'abord ça. Vous savez, la vieille blague canadienne, là, c'est on n'a pas beaucoup d'histoire, mais on a beaucoup de géographie. L'adaptation, elle doit beaucoup partir de la géographie. Et ça me semble essentiel et c'est à la base de la démarche que vous avez lancée. C'est en gros de la démocratie et du débat collectif plaqué sur des considérations géographiques. Et je voudrais dire d'ailleurs que, si vous le permettez, qu'une des propositions que fait l'équipe du think tank que je préside, l'Institut de l'économie pour le climat, une proposition récente dans une note qui vient de sortir, c'est de créer des plateformes régionales. Alors ça ne serait pas seulement sur... Vous faites le travail sur la question de l'eau, mais là, ça serait de le faire sur l'ensemble de la question de l'adaptation, dont l'eau est un des problèmes, bien sûr, essentiels. Des plateformes régionales qui n'auraient pas un coût absolument gigantesque, mais qui auraient pour objectif de faire émerger des projets. De faire émerger des projets d'adaptation, de pouvoir ensuite les structurer et les accompagner dans leur demande de financement. Et ça se ferait à partir du potentiel et des observations régionales, si vous voulez. Et un peu dans l'esprit de ce que vous faites sur le sujet de l'eau. Il nous faudrait un pilote pour faire ça. Je fais un appel aux volontaires en profitant de l'occasion. Donc voilà. Mais il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. L'appel est lancé. Merci Pierre Ducret. Et merci effectivement Marie-Noëlle Battistel de ces explications. Vous l'avez compris, on est vraiment sur un principe d'apport d'informations, regard croisé. On n'est pas là pour en débattre, mais bien pour que tous nos congressistes puissent se faire une opinion, une idée. Ça sera ce principe de ces tables rondes. Des avis qui sont portés par des gens qui sont légitimes, qui témoignent et qui font des choses. Et en termes de témoignage, je vais donner la parole également à notre invitée suivante, qui est Marie-Claire Pierret. Vous êtes directrice de l'Observatoire hydrogéochimique de l'environnement. Alors, c'est un organisme qui est internationalement reconnu. Observatoire qui observe quoi et où, Marie-Claire Pierret ? Alors, avant de commencer, je voulais vraiment remercier l'ANEM de m'avoir conviée à cette table ronde. Et c'est un honneur et une grande joie pour moi d'être là aujourd'hui. Donc, l'OHGE, c'est un service national d'observation qui est labellisé par le CNRS et l'Université de Strasbourg. Donc nous avons vocation à récupérer des données, à faire des relevés, des prélèvements, des analyses et de les mettre à disposition à la fois de la communauté scientifique mais également du public. Donc vous pouvez aller sur notre site internet et récupérer les données, elles sont à disposition. Donc le site d'études, c'est un petit bassin versant, on a pas mal entendu parler de bassin versant, donc un petit bassin versant situé en zone de moyenne montagne sur la commune d'Aubure qui est la plus haute commune de la région Grand Est. Et donc, des observations et des prélèvements sont réalisés depuis 1985. Donc, il s'agit principalement de données géochimiques, hydrologiques et météorologiques. Donc, c'est 36 années. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a le même âge avec l'ANEM. Voilà, donc c'est amusant. Donc, c'est 36 années de série, finalement, et d'enregistrement de données d'observation environnementale sont mises à la disposition de la communauté scientifique, comme je vous le disais, et du public, et nous permettent surtout d'observer des évolutions du climat, mais aussi du fonctionnement global de cet écosystème en hydrologie, en géochimie ou dans le transfert entre l'atmosphère, le sol et les plantes. Mais comme je le disais, en connexion internationale, c'est-à-dire que vous transmettez ces résultats, vous êtes vous-même des chercheurs et vous utilisez également des données qui vous sont envoyées d'autres observatoires dans le monde entier. Alors là, il y a deux choses que vous soulignez. La première chose, c'est qu'effectivement, pour comprendre, et ça vous le savez bien, les écosystèmes naturels et la complexité de tous les processus qui ont lieu en leur sein, il faut travailler en pluri et en transdisciplinarité. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc nous accueillons à la fois des chercheurs en écologie, en hydrologie, en géochimie, en modélisation, en mathématiques, mais aussi en philosophie, en sociologie, en art. Donc ça, c'est important. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, c'est la recherche actuelle, elle est évidemment internationale.
national. Et le troisième point, c'est que cet observatoire de moyenne montagne, il représente l'ensemble des écosystèmes de moyenne montagne. Donc les projets ou les méthodologies qu'on y développe, elles sont amenées à être transposables sur d'autres environnements similaires. Mais en plus, nous travaillons en réseau d'observation. Donc on travaille et on est structuré au niveau français, mais également évidemment au niveau européen et international. Et on échange nos données avec des observations dans d'autres environnements. Observation urbain, observatoire agricole, etc. Donc vous avez cette notion internationale, mais vous n'oubliez pas que vous êtes dans un écosystème dans les Vosges, et vous l'avez évoqué, puisque vous travaillez avec des philosophes, avec des artistes, avec des musiciens, ça parce que vous avez un impact local, vous êtes en partenariat avec les communes sur lesquelles vous êtes implanté. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est vraiment extrêmement important pour nous, c'est de tisser des réels liens avec les citoyens, avec la commune qui nous accueille, parce que ça, je le répète tout le temps, hein, c'est nous, les scientifiques, qui sommes invités sur la commune. Hein, on est les visiteurs, on est les observateurs, mais on est les invités. Et donc, on a créé depuis plusieurs années des liens très forts avec la commune, avec la maire qui est présente ici, qui est très active aussi au sein de l'ANEM, qui est Marie Paulguet. Et puis, c'est vrai qu'on a développé des projets, à la fois des projets scientifiques, d'échange, puisque nous avons des données et des observations et des données scientifiques, mais les citoyens du territoire ont aussi des connaissances sur le territoire qui nous sont importantes. Et ça, c'est très important de pouvoir interagir. Et puis, on développe tout un tas de projets. Donc, nous-mêmes, nous proposons des projets sur le territoire, des randonnées scientifiques, des festivals de sciences en milieu rural. On participe aussi, on est sollicité pour participer à des événements organisés soit par la commune, soit par les associations locales, soit par les organismes locaux. Et puis, on co-organise et on a des projets en commun. Donc là, par exemple, il y a 10 jours, on était tous ensemble sur la commune avec le Parc des Ballons, la DRAC, l'université, le CNRS et donc les habitants pour à la fois une conférence, un événement artistique. Et puis, c'est le début d'un projet qui va durer pendant plusieurs années où on va travailler sur des ateliers d'autodescription, notamment avec un philosophe et un sociologue des sciences qui s'appelle Bruno Latour, et avec lequel on va travailler sur comment décrire les territoires et comment définir les différents usages autour de ces territoires et la communication autour des partages. Des très très beaux projets. Peut-être juste une dernière phrase, puisque vous avez à votre droite Alexandre Molin, Domaine Skiable de France, qui mise lui sur pouvoir continuer à fonctionner en montagne. Les hivers se présentent comment en ce moment et dans les années à venir? Alors, on avait été justement contacté par le secrétaire général des Domaines Skiables de France, à qui on a envoyé très récemment une étude bibliographique sur le sujet. Alors, c'est assez étonnant. Donc, évidemment, on a observé une augmentation de la température, hein, d'à peu près 1 degré sur les 30 ans, ce qui est assez courant sur la France. Mais par contre, cette augmentation de la température, elle est extrêmement contrastée au niveau des saisons. Donc, une augmentation plus importante au printemps et en été. Par contre, et ça c'est un petit peu contre-intuitif, les hivers ne se réchauffent pas, en tout cas sur notre territoire. Il n'y a pas d'augmentation significative des hivers. Par contre, il pleut moins en hiver. Et par contre, les hivers sont caractérisés par de très très forts contrastes. C'est-à-dire que c'est les saisons où il y a le plus fort contraste au niveau de la pluviométrie et au niveau des variations de température. Voilà. D'où la nécessité d'une meilleure gestion de l'eau. Ouais. Et ce que je voulais quand même dire, parce que ça c'est important, c'est qu'il faut aussi interpréter ces données et bien les comprendre. Et donc là, regarder simplement des moyennes, ce n'est pas suffisant. Il faut développer des outils mathématiques, numériques et statistiques pour bien interpréter les séries, à la fois pour comprendre le passé, mais aussi pour prévoir l'avenir. Et nous, par exemple, on est en train de rédiger un article scientifique qui semble montrer qu'en fait les hivers sont influencés, hormis le réchauffement climatique, par les grands courants océaniques et les grands courants de l'hémisphère nord qu'on appelle la North Atlantic Oscillation, qui est un grand courant atmosphérique et océanique. Et donc, il y a à la fois le réchauffement climatique et à la fois cet impact des grands courants. Et donc, c'est pour ça que les hivers sont très, très contrastés, plus contrastés que d'autres saisons. Et enfin, je me permets de vous encourager, parce que je l'ai consulté, le document, le rapport
qui a été publié par l'ANEM en 2007 et qui est extrêmement très intéressant. Et dans ce rapport étaient soulignés les besoins des territoires de disposer d'observations scientifiques fines. Donc les scientifiques sont là avec des données, hein, parce que nous, on a vraiment vocation à transmettre ces données. Et vraiment, je vous encourage, parce que ça fonctionne quand les élus des territoires et, construisent des liens avec les scientifiques. Il y a de très belles choses qui se passent et c'est vraiment des échanges qui peuvent être très constructifs pour la compréhension des enjeux du changement climatique et les prévisions futures. Merci beaucoup Marie-Claire Pierret. Je vais donner la parole à Pierre Ducret, mais pendant que nos trois invités que l'on va remercier vont nous quitter, puisque voilà, vous l'avez compris, on fait des changements. Donc je vous laisse reprendre place en vous remerciant encore, et j'appelle Philippe Val, Pascal Berthaud et Alain Schmitt qui vont nous rejoindre pendant que peut-être Pierre Ducret peut rebondir à ce qui a été dit, et on vous entend même en descendant. Donc je voulais juste souligner l'importance de ce que vient de dire Marie-Claire Pierret. La question de l'adaptation au changement climatique, ça sera c'est une question qui repose beaucoup sur l'intelligence collective et progressive. Et dans cette intelligence collective, il y a notamment une part très importante de science carrément. Et la collaboration entre les politiques et les scientifiques, le partage sur ce sujet, notamment dans ces démarches venant des territoires, comme ce qui vient d'être exposé là à propos des Vosges, ça me semble fondamental. Et il faut associer la science à ces démarches territoriales. Et il y a souvent des ressources universitaires, d'instituts de recherche plus près de vos territoires que vous ne le pensez. Donc il faut aussi faire confiance aux ressources scientifiques qui sont proches, excusez-moi, et qui sont dans les régions. Si, il y aura un débat avec la salle à l'issue de la table ronde. Et effectivement, par contre, les trois intervenantes, les intervenants vont rester tout près pour pouvoir même intervenir dans le débat et répondre à vos questions, bien sûr. Voilà. Attendez, je n'ai pas enlevé. Voilà, très très bien. Merci donc, messieurs, de nous rejoindre. Et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le premier de nos trois intervenants, Philippe Val, qui est président du groupe La Poste. Monsieur Val, merci d'être avec nous. La Poste, qui est bien sûr un partenaire des collectivités, La Poste qui est présente partout, et La Poste qui fait déjà pour elle-même, avant de parler de ce que vous faites déjà pour vos partenaires, peut-être puisqu'on parle de RSE, on parle d'empreinte carbone, on parle de démarche d'adaptation au changement climatique, peut-être une première question. Vous l'avez compris, on est sur un temps très serré, donc merci d'aller directement dans le sujet. Peut-être nous dire ce que La Poste fait déjà pour elle-même, pas mal de choses. Alors en fait, merci d'abord de ce lancement et merci à l'ANEM de cette invitation, à la présidente Annie Genevard, à Jeannine Dubier et à Madame Battistel. Nous sommes depuis 2012 neutres en carbone. Ça fait maintenant donc 8 ans que nous sommes neutres en carbone, ce qui veut dire que toutes les émissions des véhicules jaunes que vous voyez parcourir le territoire sont à ce stade compensées par des investissements écologiques. Et très concrètement, ça veut dire que nous avons la première flotte de voitures électriques en Europe, 10 000 voitures sur les 45 000 voitures que vous connaissez. Tous nos vélos sont électriques, nos triporteurs sont électriques, nos scooters sont électriques et nos quads sont électriques. Donc l'entreprise La Poste, c'est une entreprise de proximité humaine. On a 25 000 implantations sur le territoire, pas autant que de communes, mais on est très bien implanté partout. Et très tôt, nous avons pris l'engagement d'innovation et d'investissement en argent pour devenir une entreprise écologique, une entreprise de la transition écologique. Donc nous travaillons également avec notre maison mère, la Caisse des dépôts et consignations, sur tous nos bâtiments, puisque nous avons des milliers de bâtiments, à travers une entreprise commune qui s'appelle Sobre, pour mieux gérer énergétiquement nos bâtiments. Tout ce que nous faisons maintenant depuis plus de 10 ans, pour une entreprise qui a 250 000 personnes, qui a 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, nous le mettons au service, et c'était la suite de votre question,
de nos partenaires, et nos partenaires, ce sont les territoires, d'où d'ailleurs la raison de ma présence ici. Alors peut-être avant de parler de ce que vous proposez à vos partenaires, vous m'avez dit pendant qu'on préparait que vous êtes la première entreprise au monde en RSE. C'est pas moi qui le dis, parce que le PDG de La Poste, il peut pas dire autre chose qu'on est les meilleurs. C'est quelqu'un de l'extérieur qui le dit, qui est une agence internationale de RSE, que Pierre Ducret connaît bien, qui s'appelle Vigeo Aegis, à Paris et à Londres. Et La Poste a eu l'année dernière, c'est un sacré défi pour nous, la meilleure notation RSE jamais accordée, tout secteur confondu et tout pays confondu. On en est très fiers. C'est une fierté qu'on partage avec les postières et les postiers. Évidemment, ça nous met un peu de pression parce que on est numéro un, c'est ça. Il va falloir garder cette position. C'est oui. plus compliqué d'être numéro un qu'être numéro deux. Voilà, c'est parce que l'objectif est plus difficile après à tenir. Passons-en donc, comme vous aviez commencé à le faire, Monsieur Val, sur ce que La Poste peut amener ou amène déjà au territoire, toujours dans notre sujet, bien sûr, sur cette adaptation au changement climatique. Fondamentalement, ce que nous sommes, et c'est comme ça que vous nous connaissez, nous sommes une entreprise de proximité humaine, soit fixe avec les points de contact, soit mobile avec les dizaines de milliers de tournées de facteurs et de livreurs sur tout le pays. Et depuis 10 ans, nous avons investi massivement en innovation et en argent pour nous préparer à la transition écologique. Donc j'aimais bien votre thème de l'adaptation. Nous avons commencé très tôt cette adaptation en nous disant que si nous étions leaders, eh bien, les territoires nous choisiraient pour travailler avec eux. Travailler avec eux d'abord sur l'écologie. Nous sommes spécialistes de la rénovation thermique des bâtiments ou des logements. Nous sommes capables de faire du recyclage et d'aller chercher soit chez les ménages, soit des PME, des déchets, des cartons avec une filiale Recygo. Nous avons développé également une entreprise d'économie d'énergie, donc très concrètement, pour votre action écologique, La Poste a aujourd'hui des formules qui marchent. Ce n'est pas que le facteur, c'est un ensemble de filiales. Vous avez cité plusieurs filiales. Il y en a une aussi qui peut être un partenaire, c'est la Banque Postale. Alors, la Banque Postale, qui est la seule banque 100% ISR, c'est la seule dans le monde. À la fin de l'année, les 150 milliards d'euros que vous nous avez confiés sont gérés en ISR et en RSE. C'est la seule banque qui fait ça. Et nous finançons pour vous, les collectivités locales. Vous vous souvenez qu'on a créé, au moment de la crise de 2011, la première banque des collectivités locales. Nous finançons les obligations vertes. Et je voudrais parler aussi d'une application qui, à mon avis, est très utile pour les élus et qui est évidemment présente ici, à Corté. C'est Géoptis. Nous avons un outil de gestion de vos réseaux, réseaux de collecte de déchets, réseau routier, réseau de contrôle de la qualité de l'air. C'est tout simple, nous embarquons des machines ou des dispositifs de mesure sur le véhicule du facteur. Par définition, le facteur passe partout et il vous fournit donc des données tous les jours, enfin 6 jours sur 7. Pardon. Non, mais il y a peut-être des communes où il ne passe pas tous les jours. Ah ben, il passe tous les jours. Il ne s'arrête pas partout, mais il passe tous les jours. Voilà, c'est le plus important, en tout cas pour la mesure. Et ça, c'est une idée qui est absolument géniale, bien sûr, parce que qui dit mesure, pour qu'une mesure soit efficace, il faut qu'elle soit pratiquée quotidiennement. Oui, alors, j'ai entendu les remarques, et évidemment, ma présence ici, c'est aussi pour écouter les remarques et les critiques. Non, mais c'est normal, je suis là pour ça. On est un service public, on est à l'écoute. On est à portée de compliments et à portée d'engueulades. C'est le métier, ça. Mais nous avons ces outils. Nous avons ces outils de gestion des réseaux. Et puis la dernière chose que je voudrais adresser comme message au territoire de montagne, ils ont ce défi du développement économique. Or, vos commerçants ignorent qu'ils sont des e-commerçants. Les commerçants de la montagne peuvent accéder au e-commerce, pas grâce à Amazon. Amazon ne fera rien pour vous. Mais grâce aux outils que nous mettons en place avec nos partenaires et évidemment avec la logistique qui va avec. Voilà, donc, nous avons des preuves d'action. Nous avons fait ce travail pour nous-mêmes de transition écologique et nous le mettons dans le dialogue et la critique
à la disposition des territoires. Merci Philippe Val, président du groupe La Poste. On va parler maintenant du CEREMA avec Pascal Berthaud, directeur général de ce centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Je ne le dirai qu'une fois. Donc vous êtes en fait une société d'aménagement au service, entre autres, des collectivités. C'est ça, votre mission, c'est de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ? Oui, le CEREMA, en fait, c'est toute l'expertise de l'ex-ministère de l'équipement qui a été transformée dans un établissement public et reconfigurée, effectivement, donc sur des thématiques qui sont, bien sûr, les infrastructures, les risques, la mobilité, le bâtiment, avec, je dirais, effectivement, un gimmick pour nous qui est cette ligne directrice de la transition écologique et de l'adaptation au changement climatique et la capacité, justement, à appuyer les collectivités sur ces transitions, ces mutations, avec des études qui sont essentiellement des études amont et qui vont effectivement jusqu'à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Alors, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, c'est vrai, quand on regarde tout ce qui peut se passer actuellement. Il y a des catastrophes, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on est plutôt sur un temps long, en fait. En fait, effectivement, cette question du changement climatique, même si, comme l'a bien expliqué M. Ducret, de toute façon, le climat y change, quoi qu'on fasse en matière de mitigation, et dans 30 ans, il sera différent d'aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est quand même que c'est dans 30 ans que c'est progressif, et donc qu'on peut avoir le temps de s'adapter, à condition de s'y prendre maintenant. Vous avez cité les Pays-Bas. Moi, j'étais directeur de l'eau en 2002. Les Pays-Bas ont lancé leur premier programme d'adaptation sur les digues il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Et chaque année, ils en font un petit peu. Ils ont effectivement laissé tomber certains polders et ils s'adaptent. Et je crois que la question, effectivement, pour nous sur l'aménagement, c'est de commencer dès aujourd'hui, effectivement, à s'adapter. Quitte à, effectivement, on anticipe, on commence, mais on ne fait pas en une fois ce qu'on pourra faire en 20 ans. Mais il faut commencer. C'est ça ce que vous dites. Votre message, c'est ça. Il faut commencer et il faut soutenir le rythme. Donner un exemple qui, malheureusement, je dirais, a été dans l'actualité, ce qui s'est passé, effectivement, dans l'arrière-pays niçois. Il est clair que sur le sujet des inondations, dont on sait qu'elles vont être plus fréquentes, elles vont être plus violente, effectivement, que par le passé, il est clair qu'il y a des stratégies de repositionnement territorial qu'il va falloir mettre en œuvre. Alors, après, on a deux solutions. Soit on attend que la catastrophe arrive, et là, évidemment, on reconstruit dans l'urgence et dans des situations individuelles particulièrement terribles. Soit on s'y prend à l'avance. On a une stratégie de reconstruction, de déplacement que l'on peut mettre en place sur 20 ans. Et là, effectivement, ça se passe dans quelque chose de beaucoup plus acceptable pour les concitoyens. Donc, anticiper, il faut lancer les programmes, il faut commencer. Il y a des exemples où on arrive à travailler comme ça. C'est dans le cas pour les ponts, parce que là, il faut aussi pouvoir prévoir pour les infrastructures en général. Oui, je crois que la question, elle est à plusieurs échelles. Il faut effectivement, à l'échelle de chaque grand territoire, de chaque département, arriver à essayer d'anticiper ce qui peut se passer, même si, comme ça a été dit tout à l'heure, on anticipe ce qui se passe et il faudra bien mettre à jour régulièrement parce qu'on est quand même dans une grande imprévisibilité. Et puis commencer effectivement à mettre en place des programmes de travaux, je pense aux infrastructures que vous citiez. Il est très clair que ce qui va se passer sur l'évolution du climat va faire évoluer les régimes des rivières. Et ça veut dire qu'il va se passer un certain nombre de choses sur les fondations des ouvrages d'art. Et donc ça aussi, si ça se prend à l'avance, on peut arriver à renforcer au fur et à mesure les ouvrages d'art. Si on attend, à un moment, le pont, il tombe. Et pour rester dans le domaine qui nous intéresse, je vais bien sûr vous donner la parole, mais juste pour terminer avec Pascal Berthaud. On parlait avec Alexandre Molin, des domaines skiables de France. Bien sûr, les stations de basse et moyenne altitude, elles commencent maintenant et vous pouvez les accompagner. Oui, très clairement. Je crois que là aussi, si on attend effectivement que le climat ait évolué, les stations se trouveront dans des situations absolument intenables. Si on commence aujourd'hui effectivement à préparer la transition, et c'est bien typiquement sur ce genre de choses que des experts peuvent vous aider effectivement, justement de réfléchir à l'amont, de trouver des schémas, c'est vraiment en s'y prenant maintenant que l'on peut le faire. Et très clairement, on a vraiment reconfiguré, je dirais, tout ce potentiel d'expertise de l'ex-ministre
ministère de l'Équipement, c'est environ 2000 experts hein, quand même publics. Donc il y a du vrai potentiel, justement pour pouvoir effectivement accompagner l'ensemble des acteurs sur ces sujets-là. D'accord. Merci Pascal Berthaud. Pierre Ducret, vous parliez tout à l'heure d'incertitude permanente. C'est exactement ça, on est dans le sujet. Hein. Absolument. Je voulais juste faire un petit retour sur ce que disait Philippe Val en disant que la question de l'adaptation, et on l'a vu, on en a fait vécu une épreuve de grande dimension, on en vit encore une épreuve de grande dimension avec la crise sanitaire, c'est un gros problème de logistique. C'est des gros problèmes de logistique. Et La Poste, je ne sais pas si Philippe Val m'autorisera à dire ça, c'est quand même la plus grosse entreprise de logistique du pays. Quoi. Est-ce qu'on peut, On peut le dire. Et donc la ressource, enfin la réflexion sur ce que doit être je pense que d'ailleurs, comme toute entreprise, elle n'est pas maîtresse de ce que doit être la logistique de l'adaptation. C'est quelque chose qui doit être là aussi en débat avec les autorités locales, les populations, etc. Mais la pensée de la logistique de l'adaptation au changement climatique est un des points essentiels des stratégies d'adaptation. Et ma deuxième remarque, c'est sur l'ingénierie publique. Je disais tout à l'heure, la collaboration avec la science est importante, la collaboration avec l'ingénierie, et il y a un lien entre les deux, est aussi absolument fondamentale. Et moi, j'aime beaucoup ce que vous dites sur la nécessaire progressivité. Quoi. C'est agissons maintenant pour pas que ça coûte trop cher d'agir demain trop tard. Tout ça, ça c'est l'enseignement de base du climat. Hein. Merci. Donc, on termine ces témoignages aussi sur des choses qui se font au quotidien. Avec Alain Schmitt, on aura le ministre dans quelques minutes. Donc, je vous donne la parole effectivement pour parler. Alain Schmitt, vous êtes directeur général de l'ANCV. En fait, c'est l'Agence nationale pour les chèques vacances. On parlait secteur touristique. Les chèques vacances sont un des partenaires du secteur touristique, bien sûr, avec un chèque particulier que vous mettez en place et qui va bien dans ce sens de l'adaptation au changement climatique. C'est le chèque Vacances Connect, qui est donc développé par l'ANCV. En quoi est-ce qu'on est totalement dans le sujet avec ce nouveau chèque Vacances ? Alors effectivement, ce chèque Vacances Connect que l'ANCV va mettre en place en 2021, c'est en fait un chèque Vacances totalement dématérialisé. C'est une solution de paiement, donc le chèque vacances qui sert, vous le savez, vous le connaissez, à régler des dépenses de vacances et de loisirs. Et donc ça concerne notamment, particulièrement, le tourisme dans les zones de montagne. Et donc aujourd'hui, c'est un titre papier. Et on va totalement le dématérialiser à partir de 2021. Donc ça, c'est le premier vrai apport, c'est que... Voilà. Déjà, il y a une masse énorme de papier qui va être dématérialisée. Alors, j'ai quelques chiffres, oui. Alors, oui. C'est assez... pour la petite histoire, donc, aujourd'hui, le chèque vacances, donc, c'est 1,7 milliard d'euros quand même tous les ans hein, qui circulent dans l'économie touristique et des loisirs. 140 millions de chèques quand même. 140 millions de chèques, 286 tonnes de papier, 4 tonnes d'encre. Beaucoup aussi de colis qu'on envoie parce qu'on envoie les chèques aux bénéficiaires. Les bénéficiaires s'en servent auprès des professionnels qui les renvoient à l'ANCV pour les rembourser. Donc ça fait 114 000 colis collectifs, 1,2 million envois par la Poste. Et donc tout ça, effectivement, va disparaître. On est désolé. Désolé, va disparaître. progressivement, à partir de 2021, progressivement. Et donc, effectivement, très concrètement et très basiquement, un impact positif sur l'environnement. Alors, qui parle de dématérialisation ? On parle de numérisation. Et du coup, ça crée des usages différents. Ça apporte, en tout cas, des possibilités qu'on n'avait pas avant. Tout à fait. Alors d'abord, le chèque vacances, c'est peut-être déjà classiquement, le chèque vacances actuel, c'est quand même 130 000 professionnels du tourisme sur le territoire qui sont conventionnés, donc qui l'acceptent en paiement. Et parmi ces 130 000 professionnels, il y en a à peu près 20 000, 30 000 dans les départements de montagne. Donc c'est en fait un outil assez puissant pour orienter la consommation touristique, une partie de la consommation touristique et des loisirs, vers en fait une consommation durable. Donc c'est un outil qui est au service des acteurs. Et parmi ces acteurs, bien sûr, les professionnels, mais également les offices du tourisme, les comités départementaux du tourisme, les comités régionaux du tourisme, etc. Enfin, toutes ces structures qui ont un rôle à jouer d'animation vis-à-vis des professionnels.
Ce que va apporter le numérique, c'est bien, on va numériser en fait l'ensemble du sujet, et notamment il y aura un guide numérique des professionnels modernes, donc géolocalisés, qui leur permettra de faire mettre en valeur leur offre avec des présentations personnalisées. Il y aura des services de marketing numérique aussi au service de ces professionnels. Et donc, c'est un outil au service de l'économie touristique et de l'économie des loisirs pour mettre en valeur leur offre, et notamment leur offre durable, si on le souhaite. Donc ça, c'est effectivement le plus que vous êtes, que vous allez pouvoir apporter. On l'a dit, c'est à partir de 2021, peut-être pour terminer, puisqu'on est, on parle de RSE, on parle de cette adaptation, de changement. Un mot sur, pour terminer, ce que vous faites sur la NCV. Avec l'utilisation de vos bénéfices, puisqu'on est bien également aussi dans cet état d'esprit. En fait, la RSE, c'est dans l'ADN de la NCV. La NCV, c'est un établissement public de l'État dont la mission de service public est de favoriser le départ en vacances du plus grand nombre. Pourquoi ? Parce que le départ en vacances a un bénéfice individuel et social. C'est un facteur d'insertion sociale, c'est un facteur d'exercice de la citoyenneté dans notre pays. Et donc la NCV exerce cette mission et elle le fait au travers d'un ensemble de services et d'aides. Donc le service principal, on vient d'en parler, c'est le chèque vacances. Les aides, ce sont des aides à la personne. La NCV consacre l'intégralité de ses excédents commerciaux sur la gestion du chèque vacances à aider au départ en vacances d'à peu près 280 000 de nos concitoyens les plus fragiles chaque année. Donc au travers d'un maillage extrêmement fin de 4300 associations, partenaires territoriaux, et notamment, entre autres, dans les zones de montagne. Donc il y a aujourd'hui des publics fragiles qui viennent, on va dire, permettre d'optimiser aux professionnels leur taux d'occupation. Merci Alain Schmitt. Peut-être un mot pendant que je me lève, parce qu'on va se tourner vers la salle. Je vous en prie, Une question pour Alain Schmitt, puis il ne va pas être surpris, parce que je lui ai dit tout à l'heure quelle question j'avais envie de lui poser. C'est comment vous voyez la possibilité de flécher, en quelque sorte, ce moyen de paiement qui est le chèque vacances sur des dépenses touristiques qui seraient plus particulièrement conformes aux objectifs de transition écologique? Ah, c'est une question qui n'est pas facile. La NCV est un outil, à la disposition des pouvoirs publics. Il y a deux façons de répondre à votre question. Il y a une façon qui est d'utiliser, en fait, sur un mode incitatif, les outils, notamment les outils du numérique, les outils du marketing. Donc, proposer ou favoriser des offres durables. Et puis, il y a une autre façon, le numérique permet de gérer beaucoup plus finement les choses. On peut imaginer de mettre en place des chèques vacances dont les usages sont limités à certains types d'activités. Donc voilà, on peut imaginer ce type de solution. Merci à Alain Schmitt. On va se retourner en ce qui nous concerne vers l'écran, parce qu'on me dit que le ministre est en ligne, il a pu nous rejoindre, on l'en remercie, c'est Jean-Baptiste Lemoyne. Je rappelle qu'il est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. Restez en place. Hein. Vous êtes là, Jean-Baptiste Lemoyne, on vous en remercie. Bien sûr, dans le champ de vos missions, ce qui nous intéresse là, vous l'avez bien compris, c'est la démarche sur le tourisme. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour alimenter nos réflexions et nos travaux ? Bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, toutes mes excuses parce que, voilà, par pixel interposé, c'est quand même un peu compliqué et ça ne remplace pas le contact humain qu'on a traditionnellement lors de ces journées. Je m'en souviens l'année dernière dans les Pyrénées-Atlantiques. Et l'actualité, bon, voilà, nous a rattrapés avec, vous le savez, un certain nombre de travaux à conduire sur le soutien économique justement au monde du tourisme, des HCR, liés aux décisions prises hier soir. Donc, mon propos sera sûrement très superficiel parce qu'il ne s'insère pas dans la dynamique de la table ronde, mais je voulais vraiment, avant toute chose, tirer mon chapeau à l'ANEM, aux élus qui sont ici présents, et puis naturellement à tous les témoins de la table ronde, qui peuvent en entendre une partie, mais pas tous, mais chapeau parce que, effectivement, c'est la transition et l'adaptation qui se fait dans les territoires, et très concrètement portée à travers
un certain nombre de projets. On a pu voir ça il y a à peu près 10 jours lors du congrès de DSF également. Et je trouve que on a fait beaucoup de chemin en quelques années. C'était des sujets qui parfois étaient assez conflictuels. Et maintenant, je crois que finalement tout le monde tire dans le même sens. On est, je crois qu'on a tous pris conscience qu'on était, même si pays développé, pays en voie de développement durable, si on prend cette notion un peu d'ODD, et on voit bien qu'on a tous beaucoup à faire. Et de ce point de vue-là, les acteurs que vous êtes se sont retroussés les manches, et il nous appartient à nous, État aussi, de pouvoir offrir des boîtes à outils qui puissent vous aider de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que, avec cette crise épidémique, on est beaucoup un peu sur le microscope à essayer de trouver les mesures ponctuelles qui permettent de soutenir un secteur, le tourisme auquel participe la montagne, je vais y revenir. Mais également, ce qui est intéressant, c'est que cette crise, elle a été bon, une sorte de révélateur, d'accélérateur. Et finalement, ce qu'on souhaite, c'est aussi prendre un peu la longue vue et bâtir le tourisme de demain. Et pour ça, d'ailleurs, dans le plan de relance, on s'est doté de quelques outils. Vous avez vu qu'il y a un pied massif sur l'aspect développement durable et notamment, on a fléché une 50aine de millions d'euros sur le tourisme durable pour pouvoir aider, accompagner un certain nombre d'expérimentations ou de projets. Et d'ailleurs, une partie de cette enveloppe a d'ores et déjà été annoncée pour accompagner des projets sur ce beau territoire de l'île de Beauté qui vous accueille. Vous avez eu l'occasion d'en parler avec les professionnels du tourisme corse il y a cela un mois. Alors, peut-être un petit mot également sur la situation qu'on connaît, parce que effectivement, il y a quelques mois, on était tous en train de se poser des questions sur comment gérer parfois des phénomènes ponctuels de surtourisme. Et donc, ça avait un lien aussi avec la thématique du jour, parce que le souhait, c'est de pouvoir, je dirais, mieux répartir les flux sur l'ensemble des territoires, faire en sorte qu'aucun territoire ne soit oublié. Et aujourd'hui, on voit qu'on a composé avec un danger qui est le danger du sous-tourisme, en réalité. Et on voit quel impact ça peut avoir. Alors, dans cette avalanche qu'a connu le secteur du tourisme, la montagne apparaît comme un peu un refuge. Et cet été, ça s'est manifesté. Quand les Français ont massivement plébiscité les territoires de montagne, c'est vrai que ça véhicule à la fois un imaginaire, des valeurs d'authenticité, des espaces nature qui était très recherché et je ne doute pas que si on arrive à juguler un peu ce qui se passe en ce moment, eh bien, là aussi il y aura cette envie de retrouver ces espaces cet hiver et je sais que les professionnels s'y sont préparés de façon très, très méticuleuse et très soigneusement. Donc tout ça pour dire que le tourisme a besoin de la montagne et on sait que la montagne a aussi besoin du tourisme. Avec au moins un certain nombre d'adaptations à conduire. On a le chantier toujours un peu inabouti des trois, comment réchauffer ces lits de façon vertueuse. Et de ce point de vue-là, vous savez qu'Atout France a fait une expérimentation avec une dizaine de stations. Et il va convenir maintenant, avec Banque des Territoires, un certain nombre d'acteurs, je crois, de pouvoir passer supérieure et le programme montagne qui est en cours de construction avec ANCT, je pense, sera aussi là très utile de ce point de vue-là. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais l'idée, c'est de vous adresser un témoignage vraiment d'amitié, de vous dire vraiment en sincérité mille merci, parce que l'ANEM, c'est un aiguillon qui est précieux. Et comme tout aiguillon, c'est vrai qu'il se manifeste parfois au Parlement à travers des amendements qui rallient tous les bancs. Et donc, c'est vrai que côté gouvernement, ça met un peu la pression, mais tant mieux, c'est une saine pression, ça permet de faire avancer les choses. J'ai en tête l'expérience d'amendement de Michel Pouvard à l'époque, bien qu'il savait aussi trouver cette unanimité et je veux assurer Annie Genevard, Janine Dubié, enfin, tous les collègues bien de notre volonté de pouvoir continuer à travailler, à prendre en compte ces expériences que vous bâtissez pour derrière être au rendez-vous des résultats. Au pupitre parce qu'on est attendu.
par nos concitoyens là-dessus. Voilà, je ne suis pas plus long et surtout je vous laisse reprendre la dynamique de votre table ronde en m'excusant de l'avoir un peu interrompu, mais c'était vraiment ce témoignage que je voulais adresser et je vois la présidente, j'en profite pour le lui dire de vive voix. Oui, et elle va pouvoir, merci Jean-Baptiste Lemoine, elle va pouvoir vous répondre. Bien, monsieur le ministre, cher Jean-Baptiste, je voudrais tout d'abord, devant l'ensemble des congressistes, vous saluer, vous remercier d'avoir permis ce temps de communication avec vous. Nous étions évidemment très déçus de ne pas vous avoir en réel, mais on comprend en même temps les raisons qui vous en ont empêché. Donc, je voudrais profiter de ce bref moment pour vous dire à quel point nous avons été sensibles durant la période du confinement de l'action que vous avez menée auprès des acteurs du tourisme, travail tout à fait perceptible par le comité que vous avez animé chaque semaine, près de 3 heures chaque semaine avec l'ensemble des acteurs du monde du tourisme et de l'événementiel, en vous attachant à répondre au plus près et de façon très concrète aux problèmes qui survenaient jour après jour. Votre tâche n'est pas facile parce que, après les annonces du président de la République, il est bien évident que le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, des bars, de l'événementiel, le monde de la culture, croise évidemment étroitement celui du tourisme dont vous avez la charge. Et la montagne, de ce point de vue-là, évidemment, est particulièrement concernée, car il y a peu de territoires de montagne qui ne comportent des lieux de tourisme. Donc nous savons pouvoir compter sur vous dans les semaines qui viennent, qui seront tout à fait déterminantes, parce que cette deuxième phase intervient sur un terreau qui est maintenant très fragilisé économiquement et on sait que certains établissements sont au bord du dépôt de bilan. Donc nous tremblons à l'idée du scénario catastrophe qui pourrait se dérouler pour certains, mais nous savons aussi que le monde du tourisme vous trouvera toujours à ses côtés. Merci aussi pour ce beau mot que vous avez eu pour dire que le tourisme a besoin de la montagne. J'en suis profondément convaincue en considérant qu'aujourd'hui, il y a presque autant de monde qui passe ses vacances en montagne qu'au bord de la mer. Il y a presque autant de personnes qui vont, qui cherchent la montagne pour leur temps de congé que la mer. Simplement, ils restent un peu moins longtemps à la montagne qu'ils ne restent à la mer. C'est vous dire à quel point notre territoire a toute sa place dans ce domaine économique si essentiel. Donc, merci à vous pour ce moment que vous avez passé avec nous et bon courage. C'est évident. Merci. Et à très bientôt sur le terrain, chez vous. Je vous propose, si vous pouvez, de rester encore peut-être quelques minutes avec nous, puisque nous avons un débat avec la salle. Merci, Annie Genevard. Je vous propose, on va prendre un temps, c'était promis. Alors, on s'adapte, cher Pierre. On va se décaler, la pause sera un petit peu plus petite. Quoi qu'il en soit, il faudra qu'à 18h30, nous ayons fini la deuxième table ronde. Message aussi aux nombreux intervenants de notre table ronde sur le numérique qui va suivre. Pour le débat avec la salle, je vais vous proposer de commencer avec deux témoignages. Ce sont deux très belles initiatives qui sont prises sur le territoire corse qui nous accueille. Donc nous voulions leur donner la parole. Je vous avais dit 3 minutes, messieurs, je vais vous donner 2 paroles. Ça sera, si vous le pouvez, moins de 3 minutes pour qu'on puisse également donner la parole aux nombreux congressistes. Je vais commencer avec Christian Christofari. Si vous êtes là, monsieur Christofari, vous êtes là. On va vous donner un micro. Vous êtes chargé de mission énergie auprès du président de l'université de Corse qui nous accueille. Et vous voulez nous parler d'une initiative qui est sur un sujet qui est d'actualité, parce qu'on parle d'hydrogène. Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas si on m'entend. Si, très bien. Donc, c'est pour répondre un petit peu et prolonger ce qui a été dit par Pierre Ducruet sur, on va dire, l'interaction rapprochée entre les collectivités, les communes, les collectivités territoriales, par exemple la Corse, avec les universités, les centres de recherche. Donc, il y a une interaction continue qui permet, en fin de compte, de développer des démonstrateurs sur des énergies vertes
et des énergies du futur. Donc, bien entendu, les universitaires et la recherche sont là pour essayer de minimiser, diminuer progressivement ce degré d'adaptation qu'il faudrait aux collectivités lors de ces périodes, bien entendu, où il y a ce changement climatique qui évolue très, très rapidement. Donc, c'est un projet scientifique. C'est un projet scientifique. Alors, on sait très bien que le climat est fortement corrélé, bien entendu, avec la démographie, le développement économique, l'intensité carbone et l'intensité énergétique. Et nous, bien entendu, on est câblés sur l'intensité carbone et l'intensité énergétique, essayer de développer des systèmes énergétiques verts, décarbonés, décentralisés, bien entendu. Et là, bien entendu, de ce fait, depuis 15 années, donc on travaille depuis plus de 30 ans, hein, après les chocs pétroliers sur ces énergies vertes, et depuis une quinzaine d'années, on a pris le virage, bien entendu, du microgrid, du smart grid, du grid intelligent, des réseaux électriques intelligents, et puis, bien entendu, de l'hydrogène. Donc, ça a pris la forme et la traduction par un consortium avec Areva SE. On le connaît bien sûr dans le nucléaire, mais bien entendu, il y a des actions dans les énergies vertes. Et puis, avec le CEA et l'université, bien entendu, on fait partie de groupements de recherche au niveau national et international. Donc, globalement, notre volonté, bien entendu, c'est de pénétrer ces territoires montagneux et littoraux à travers ces énergies vertes et faire la démonstration qu'il pourrait y avoir une viabilité technico-économique à travers le déploiement de ces démonstrateurs. Donc nous, on prône bien entendu l'hydrogène sur tous les territoires à travers bien entendu la mobilité terrestre, la mobilité maritime et puis bien entendu d'autres usages, la mobilité ferroviaire aussi et puis d'autres usages puisque on peut faire de la cogénération, de la trigénération, même de la chaleur. Donc on travaille là-dessus avec différentes thèses, différents sujets qui ont été développés. Merci monsieur Christophe Farry de nous avoir amené ce témoignage sur ce travail des chercheurs. Et donc, pour finir, bien entendu, on est totalement en convergence, bien entendu, avec la politique régionale. La Corse a une propre programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, on travaille, bien entendu, avec eux pour la co-construction de cette programmation. Et puis, à l'échelle nationale, voire internationale, bien entendu, on connaît le plan de relance qui intègre près de 30 milliards d'euros sur la transition écologique, qui intègre bien entendu plus de 7 milliards d'euros sur le déploiement de l'hydrogène en France. Merci beaucoup. Et on va passer, si vous le voulez bien, le micro à Achille Martinetti, pardon, hein, puisqu'il y a deux maires qui sont concernés, mais je crois que c'est Achille Martinetti qui va prendre la parole. Est-ce que vous êtes là, monsieur Martinetti ? Oui, donc on va vous passer un micro. Vous êtes maire de Bocconiano et vous allez nous parler d'une initiative qui est l'idée de réinvestir un espace qui était totalement laissé à l'abandon. C'est l'espace périvillageois, on parle bien des villages corses. Oui, tout à fait, et notamment des villages de montagne, bien sûr. Comme vous le savez... L'association du changement du climat, la désertification ont des conséquences quelquefois dramatiques. On a connu en Corse des incendies d'hiver qui sont arrivés au bord des maisons, qui ont même détruit des maisons, des habitations. Alors avec un collectif d'élus de Corse, avec des chercheurs de l'INRA, avec le parc régional, nous avons à partir de cartes anciennes travaillé sur ce qu'on appelle en Corse « Ucirco ». C'est le périvillageois. Toutes ces surfaces qui étaient cultivées, qui servaient à de la production vivrière, qui étaient occupées par les habitants, qui sont aujourd'hui complètement maquisées. Et on a associé, si vous voulez, plusieurs acteurs qui ont une expérience sur le territoire. Nous avons commencé cette expérience à partir du châtaignier. Vous savez que le châtaignier est un arbre qui est souvent constitutif du paysage en Corse et qui avait une fonction non seulement nourricière, mais aussi écologique. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on est dans une châtaigneraie qui est très, très ancienne, très âgée, malade, et qui ne supporte plus les rénovations. On fait des rénovations aujourd'hui qui permettent de survivre, mais ce capital, ce patrimoine est en train de disparaître. Donc nous essayons de mettre, à partir d'acteurs, je parle bien d'une expérience qui est une expérience citoyenne. Il ne s'agit pas là d'une démarche institutionnelle. Il s'agit vraiment de militantisme.
les petits maires que nous sommes sont des acteurs du territoire. Donc nous sommes en train de mettre en place, en différents points du territoire, Corse, des multiplications de plans, de châtaigniers, pour les mettre à la disposition non seulement des communes, des professionnels, mais aussi des citoyens. On s'est aperçu dans l'histoire de ce pays, et quand on parle notamment de la période qu'on appelle le réacquiste, que souvent, ce qui a permis de relancer des savoir-faire de productifs, c'est des gens qui peut-être n'étaient pas des professionnels, qui étaient, nous avons dans nos communes, nos petites communes, un réservoir très, comment dire, compétent de retraités jeunes qui peuvent s'investir dans ce développement-là. Alors il y a un intérêt qui peut être économique, on relance une filière pour la rénover, on parle de la châtaigne, mais on peut aussi avoir d'autres projets dans ce périvillage. Mais il y a une composante également de sécurité, parce que ce périvillage qui était à l'abandon, qui se maquisait, présentait un danger. Et on l'a bien vu l'année dernière, ne serait-ce que ça. Absolument, on l'a vu l'année dernière, et je n'en veux pour preuve que à deux réunions du comité de massif, qui est présidé par le député Jean-Félix Acquavive, sur deux années consécutives, on a parlé essentiellement des incendies. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on veut inverser cette machine. Le développement peut être, et le développement dans l'adaptation, puisqu'il s'agit bien de cela aujourd'hui, peut être pensé autrement. Il ne s'agit pas simplement, et ça a été dit par de nombreux intervenants, il s'agit véritablement de s'adapter, mais de s'adapter aussi dans l'économie. Je crois que cette démarche, elle est novatrice peut-être, elle est en tout cas innovante, elle est osée, mais on a envie de la mener au bout. En tout cas, c'était important que vous puissiez en témoigner, puisque ça, je le dis juste pendant que je vais maintenant prendre des questions. Il y a madame qui m'avait fait signe. Bah ouais, vous voyez que j'avais pas oublié, je vais lui donner la parole directement. Je vous en prie, allez-y, merci de vous présenter. Bonjour, je suis Claire Boucher, députée des Hautes-Alpes depuis très peu de temps, depuis le 28 août, puisque j'étais la suppléante de Joël Giraud, que vous avez vu tout à l'heure. Donc, je voulais m'adresser aux grands témoins donc, qui ont parlé cet après-midi, et surtout à Monsieur le ministre, mais je crois qu'il ne nous entend plus, je ne sais pas s'il est encore en visio. Donc, je souhaite à ce stade... Je vous entends. Ah, voilà. Ah, merci, très Jean-Baptiste bien. Lemoine. Alors, allez-y. Donc, monsieur le ministre, merci pour votre présence, même en visio, à cette rencontre et pour les diverses informations que vous nous avez communiquées. Je souhaite à ce stade de la table ronde vous interpeller sur un sujet qui préoccupe les élus de montagne que nous sommes. Certes, il relève davantage des missions de votre collègue Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mais sachez que je l'ai déjà interpellé. Le sujet sort également quelque peu de la thématique de cette table ronde, mais je profite de votre présence à ce congrès pour vous faire part de nos réflexions sur le dispositif Colo Apprenante. Cette initiative a remporté un franc succès, obtenu des résultats bénéfiques après la période de confinement. Cependant, de nombreuses familles espèrent pouvoir bénéficier de la reconduction de ce dispositif pour l'année 2021, particulièrement dans le contexte économique actuel incertain de la poursuite constatée de la pandémie de Covid-19 et l'incertitude qu'ont les colonies de vacances d'avoir la possibilité de se maintenir. Au-delà de l'aspect éducatif évident, il est dans l'intérêt des centres de vacances, particulièrement ceux de nos territoires de montagne, qui sont des acteurs économiques et sociaux de nos vallées, de reconduire ce dispositif en 2021, notamment pour les périodes entre les vacances de Noël et de février, période de reprise des classes de neige notamment, ou des classes vertes ou des classes d'automne. Cette reconduction permettrait également aux services des transporteurs nationaux de pouvoir établir des conventions spéciales avec des tarifs préférentiels conformément à l'article 16 de la loi Montagne et d'être ainsi associés au plan de relance lancé par le gouvernement. Les élus de la Montagne sont prêts à s'associer à ce dispositif, d'autant que dans tous les massifs, nos structures d'accueil offrant des conditions particulièrement propices aux activités scolaires et pédagogiques qui peuvent tout à fait être orientées sur les questions relatives à l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique,
tout en offrant la possibilité de découvrir la richesse du patrimoine de la montagne. Je vais vous demander de conclure. Oui. Donc simplement, je souhaite rajouter que ce dispositif doit s'accompagner d'un plan de communication développé en amont pour que tous les organismes aient le temps de prévoir et d'emmener le plus d'enfants possible à la montagne pour connaître ce qui se passe et pour... Merci madame, merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, bonjour. Bon, vous m'entendez, oui. Antoine Orsini, communauté des communes du Centre Corse. Bon, d'abord, un petit coup de gueule. Moi, je pense que dans la problématique des domaines skiables, qu'ils soient français ou européens, il faut une révolution. C'est pas une évolution qu'il faut. Hein. En effet, on parle de gestion de l'eau dans le cadre de la neige de culture. Avec l'augmentation de la température, on ne pourra plus faire de neige de culture. Donc je crois que c'est important. Et je crois qu'il y aura de plus en plus de conflits entre utilisateurs. Et lorsque Mme Battistel me parlait de la clé, hein, de la commission locale de l'eau, je crois qu'elle n'a pas parlé de conciliation, mais elle n'a pas parlé une fois de l'agriculture. Donc je suis un peu étonné. Ah, ou très peu. Bon, voilà, c'était dans la liste, mais très c'était peu. Dans le multivisage. Bon. Donc voilà, là c'est important. J'ai bien apprécié Mme Pierret sur l'observatoire parce que le président que je suis a proposé qu'on fasse un observatoire des conséquences du changement climatique sur notre territoire, hein, qui va de Corté au col de Ville-Savonne. Alors c'est pour et par les citoyens. On va associer bien sûr Météo France, l'ONF, l'Office de l'environnement, les labos universitaires, mais on veut associer aussi les citoyens. Enfin, je vais essayer d'être rapide, l'avenir du tourisme, il est en montagne. Avec les canicules, ça sera le climat de demain, les problèmes caniculaires, il y aura le refuge dans les montagnes. Donc on doit aujourd'hui mettre en place des dispositifs pour accueillir nos touristes. Enfin, ça fait deux fois que je dis enfin, je veux parler de solidarité parce qu'on a vu aujourd'hui que dans des communes des Alpes-Maritimes, par exemple, qui n'avaient pas de risque d'inondation, qui n'avaient pas de VPRI, hein, de plan de prévention, parce qu'il n'y avait pas de risque, mais en fait, le risque principal, ce sont les coupures de route, l'électricité, eau, assainissement. Donc aujourd'hui, moi, je crois à la solidarité et qu'on mette en place, et c'est ce que nous allons faire en Centre Corse, un plan intercommunal de sauvegarde, parce que je crois qu'il faut jouer la solidarité avec les petites communes de montagne. Merci de cet appel. Je vous en prie, monsieur. Oui, Jean Piccioni, donc Massif de Belledonne, à côté de Grenoble. Oui, je reviens sur les propos préliminaires du président, qui est en face de moi, sur la réduction des effets de serre, des gaz à effet de serre et de l'adaptation. Et en effet, vous avez insisté sur le fait d'abord sur l'action d'adaptation, parce que cette réduction des effets de serre, elle est internationale. Elle ne nous concerne pas que nous. Quand on voit les incendies de la Californie, j'ai regardé un reportage sur des cratères à Nouzoubescan, je crois, où qui polluent, les gaz sont toujours là et ça pollue comme une ville de 100 000 habitants, hein, tous les jours. Donc, ce qui paraît le plus important, c'est cette adaptation. Et effectivement, on nous culpabilise un peu avec nos feux dans les cheminées ou les effluents d'eau vache, hein, mais finalement, c'est quand même... ça arrivera. Je ne veux pas cautionner le système, hein, ce qui va nous arriver, mais il y a quand même le plus important, c'est nos actions dans l'adaptation, ce que vous avez dans les exemples que nous avons vus. Merci pour ce témoignage. Encore un, monsieur. Alexandre Molin. Alexandre Molin, pardon, ah oui, j'oubliais. Je voulais répondre sur les stations de ski sont finies. Alors, je suis désolé, on se prend tous pour des scientifiques, mais il y a quand même les plus grands scientifiques de l'INRAE et de Météo France qui écrivent le rapport du GIEC, qui ont écrit très précisément qu'en 2050, les stations de ski sont encore là et que si on arrive à changer la courbe du climat par rapport aux gaz à effet de serre, on est encore là en 2100. Donc, arrêtez de vouloir nous faire fermer. Alors qu'il y a des possibilités de travailler et qu'on peut travailler très intelligemment sur la gestion de l'eau. Merci, je vous en prie, monsieur, vous avez le micro. Oui, bonjour. Vous m'entendez, là ? Oui, allez-y, présentez-vous. Donc, merci. Claude Castellane, je représente le syndicat des accompagnateurs montagne. On a parlé tout à l'heure des colonies de vacances et tout ça. C'est vrai qu'on a une progression. Il y a environ 5000 accompagnateurs montagne en France. Je peux aussi descendre. Et. Ouais. Qui vivent, il faut le savoir, à 90% dans le milieu rural montagne, donc, et qui exercent à travers les camps de vacances, bien sûr.
Aujourd'hui, le réchauffement climatique, on le ressent, notamment en Corse, où on est chaque année impacté par les risques incendies, les fermetures de massifs, qui nous posent des gros problèmes. On est en relation avec la préfecture pour traiter ce sujet. Mais je voulais dire, au niveau national, actuellement, nous avons un gros problème d'environnement spécifique. C'est-à-dire que, hors enneigement, nous n'avons plus de zones réservées pour travailler, définies. Et donc, nous avons une concurrence déloyale qui se met en place. Et donc, on demande simplement qu'on soit recadré au niveau de la législation. Nous ne sommes pas écoutés suffisamment par notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la Jeunesse et Sports. Et donc, on demande simplement à revoir un petit peu la législation à ce niveau. Merci. Merci. Je vous propose, on a des intervenants, principe aussi, questions-réponses de la salle. Je vais donner une parole à Pierre Ducret, puis après à Philippe Val. Je vous en prie, messieurs. Moi, c'était juste un mot pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Il ne faut pas considérer que l'adaptation, c'est important et que la réduction, ça n'est pas. Les deux choses sont aussi importantes. La réduction des émissions, c'est fait pour limiter la casse, si vous voulez, en gros. Et pour limiter la casse, il faut arriver à une neutralité carbone en 2050. Si on ne veut pas que les choses soient totalement ingérables pour la civilisation à l'échelle de la fin du siècle. Mais la caractéristique de l'action sur la réduction des émissions, c'est que c'est une action qui se situe beaucoup au niveau global, au niveau national, etc. Même si l'action locale pour la réduction est aussi très importante. En revanche, l'adaptation, c'est un sujet qui doit être traité avant tout localement, voilà, où la priorité, c'est d'agir localement, parce que l'adaptation au changement climatique ne sera pas la même suivant l'endroit où on se trouve, hein, suivant les territoires dans lesquels on se trouve. Philippe Val ? Oui, moi, ce qui m'impressionne dans vos remarques, c'est que ce sujet d'adaptation à la crise climatique, il est devenu un haut de page pour nous tous, que l'action, elle va être locale, je suis d'accord avec Pierre. C'est indispensable et nous, on l'a vécu là en direct. La NCV m'annonce la disparition de millions de lettres. On va le compenser. Vous l'avez noté, ça. On va s'adapter. Ce que je veux dire, c'est que cette adaptation, elle se fait dans le partenariat avec vous. C'est ça fondamentalement. Et il y a la poste traditionnelle. On tient à votre disposition une carte postale de Corté que vous pourrez envoyer à vos familles, là, avec une boîte aux lettres jaunes. Ça, c'est la traditionnelle. Et la nouvelle qu'on est en train d'inventer avec vous et grâce à notre partenariat, je veux le redire, c'est maintenant que ça se joue et c'est fondamental d'agir ensemble. Pascal Berthaud. Je suis très frappé de voir dans les deux questions qu'il y a eu sur les stations de montagne, la question de dire est-ce qu'il n'y aura pas des stations de ski. En réalité, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Et Pierre Ducret disait que les solutions sont locales. Et je crois que c'est ce qui est complètement essentiel. Ce qui fait que l'adaptation est difficile, c'est bien que justement, c'est en fonction de chaque endroit, de chaque situation, il faudra adapter des solutions qui soient différentes. Donc je crois que ce n'est pas pour les stations de ski, pas contre les stations de ski. Je crois que c'est quel avenir effectivement pour chaque station dans lequel le ski sera une des composantes, mais pas forcément la seule. Voilà. Merci. Vous avez le micro. Juste, on se donne jusqu'à moins le quart, donc 20 minutes questions-réponses, sans compter les interventions qu'il y a eu avant. Donc voilà, encore 5 minutes. Gérard Bonjean, donc maire d'une petite commune de la Haute-Loire, Azérin, et président d'un syndicat des eaux. Je voulais simplement apporter un témoignage par rapport à ce que l'on peut faire au niveau de l'adaptabilité et actuellement pour les économies d'eau. Nous, on est en train, au niveau de notre syndicat, de revoir totalement le schéma donc de puisage et de distribution de l'eau. Alors, c'est un projet qui est très, très important parce que c'est entre 8 et 9 millions d'euros. C'est-à-dire, c'est de n'utiliser en bas que l'eau dont ont besoin les usagers et de laisser toute l'eau en haut. On a des sources à 1300 mètres. On va relarguer l'eau, disons, 10 mètres en dessous des sources, pratiquement. Alors, avec des automates, avec un tas de choses comme ça. Et pour briser la pression qu'il y a entre descendre de l'eau de 1300 mètres à 400 mètres d'altitude, en 1955, ils avaient des paliers. Ils mettaient des paliers et l'eau à l'air libre. Or, si vous voulez, on perdait de l'eau. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre au milieu deux turbines qui vont absorber l'énergie et qui vont produire de l'énergie verte.
Voilà, je tiens à disposition le projet qui est, puisque on est en, l'appel d'offres va être ouvert, à ceux qui le veulent sans problème. Alors un seul bémol là-dessus, c'est que tout le monde nous dit c'est très bien, vous êtes dans le cadre du climat, de l'écologie, de tout ce qu'on veut. Mais... Et quand on recherche des financements, et ben, à part l'emprunt avec la Banque des Territoires, il n'y a pas grand monde qui suit derrière. Merci. Adaptabilité, intelligence et puis effectivement savoir en parler au bon moment. Monsieur, est-ce que vous avez un micro? Ah non, c'était monsieur là-bas. Alors, le problème de nettoyer les micros, je donne la parole à monsieur et puis c'est vous après, d'accord? Je vous en prie. Oui, bonjour, Michael Kramer, maire de Lens. Juste un petit exemple d'adaptation au niveau des domaines skiables, ce qu'on veut faire. Nous, on s'est adapté, entre guillemets, on a fait de la neige de culture pour s'adapter. Ça a résolu trois problèmes. Le premier problème, c'est que depuis qu'on fait la neige de culture sur une partie du domaine, on a deux sources qui ne coulaient plus, qui se sont remises à couler parce que sur une période, ça a une fonte beaucoup plus lente, une imprégnation plus lente, on a réussi à faire couler deux sources qu'on avait perdues. L'autre point, c'est que la retenue, elle a été dimensionnée pour pouvoir faire de la neige. On sait que nos périodes froides sont beaucoup plus courtes, donc on peut produire notre neige sur notre domaine en deux jours. On a produit toute la neige qui nous permet d'enneiger notre domaine pour toute la saison. Donc c'est de l'adaptabilité. Et depuis novembre, cette retenue, elle sert de tampon concernant pour éviter qu'un hameau soit inondé. On repompe l'eau en amont du hameau, qu'on remonte dans la retenue collinaire qui nous sert pour les domaines skiables, et on évite l'inondation d'un hameau qui était régulièrement inondé. Donc voilà, on peut faire de l'adaptation sur les domaines skiables intelligemment, et aujourd'hui les techniques nous le permettent. Voilà, c'est juste un exemple même de multi-usage intelligent. Merci. Monsieur, est-ce que vous avez le micro? Oui. Non, toujours pas? Oui, non, mais là, à un moment, il arrive. En attendant, allez-y. J'en ai un. Et vous aurez la dernière parole, monsieur. Allez-y, alors, je vous en prie. Philippe Alpi, pour le massif du Jura, station de Métabier. Alors, dès 2015, on a engagé un process faute d'argent, hein, puisque c'est le département qui a la charge de la maintenance d'une station. En moyenne montagne, on a Pépinière des Alpes, c'est la destination des premiers apprenants du ski, c'est le premier contact. Mais on n'a pas l'ambition de remettre des équipements où il faut systématiquement 7 à 8 millions chaque fois qu'on change un équipement. Et c'est grâce à l'Université de Grenoble et puis aussi à l'adaptabilité des experts, le STREM qui régit la sécurité sur nos installations, c'est qu'on a pu engager un process novateur, innovant, sur l'expertise des équipements. Ne pas changer des équipements anciens, mais les scanner, revisiter les équipements et faire des économies durables, puisqu'on est capable aujourd'hui, avec les nouvelles technologies embarquées, de requalifier nos équipements sans modifier les paysages et redessiner, amener des nouveaux matériels beaucoup plus impactants sur le paysage de la montagne. Ça, c'est une chose. On a parlé de l'eau. Ben, là aussi, on a fait un travail, comme les collègues, énorme sur... l'économie de l'eau et la bonne gestion de l'eau et surtout les niveaux culteurs, un professionnalisme avéré. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne et c'est apprécié par le client. Ça, c'est une chose. Et puis, aujourd'hui, le département est dit chiche. On passe de la station de montagne à la station de ski à la station de montagne. C'est un gros, gros investissement parce que ça engage tous les socio-pros à s'adapter à plus de neige. Parce qu'on a travaillé avec l'INRAE, avec Dianeige, pour être accompagné depuis 2017, mais aussi les services de l'État, au travers d'un appel à projet sur le massif du Jura, adaptation au changement climatique en 2050. Donc on a attiré les conséquences, mais il faut embarquer tous les élus, un gros travail de pédagogie, les socioprofessionnels. Et les socioprofessionnels leur dire, écoutez, vous travaillez hier sur 3 mois, cette fois-ci, il va falloir travailler pour toute l'année. Il va falloir reconsidérer l'accueil en montagne toute l'année. Donc c'est du vélo électrique, c'est du VTT, c'est etc. Et c'est aussi du sentier et les ENS, les espaces naturels sensibles. Merci, voilà. merci beaucoup. Bah, ce que disait Pascal Berthaud, hein, il faut commencer, vous avez commencé. Non, il est moins le quart, je donne la dernière parole, si vous voulez bien. Désolé.
Bonjour à tous. Julien Delémontex, moi je suis premier adjoint dans la commune des Carreaux d'Arrache et sans lien familial connu avec le modérateur. Vous excuserez l'éventuelle naïveté de ma question, mais c'est celle d'un élu récent. Moi, ce qui m'a frappé au cours de cette table ronde, c'est de constater que les enjeux qu'on nous... On me demande au niveau du premier rang, gardez votre masque. Ah. Je vous en prie. Désolé, j'ai envie de le faire avant. Voilà. Les enjeux dont on parle depuis le début de l'après-midi sont extrêmement complexes. La preuve, on a besoin de l'appui des scientifiques, de l'État et d'autres. Certaines choses sont possibles au niveau local, ça a été dit et illustré. Par contre, je suis étonné par le poids de la demande d'anticipation stratégique et de planification qui repose sur les acteurs de base que sont les communes, alors même qu'elles ne disposent ni des compétences, ni parfois du temps. Parce que selon le sujet dont on parle, l'eau ou d'autres, il faut s'emboîter dans plusieurs échelles de raisonnement. Donc moi, j'aimerais demander à M. Ducret de quel local parle-t-on ? Parce que selon le problème et la temporalité, c'est plus ou moins pertinent de demander aux communes de faire beaucoup d'efforts de planification, alors même qu'elles n'ont pas tous les leviers en main. Et j'ose à peine finir sur une provocation. Est-ce que la complexité de notre carte administrative et des demandes technocratiques qui pèsent sur les communes n'est pas le pire ennemi de la transition ? Pierre Ducret, je vous laisse la dernière parole. Non, mais c'est une très, très bonne question. Vous mettez le doigt sur une des grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Je pense qu'il faut partir de ce qui existe, des exercices de... Enfin, il faut trouver les bonnes bords. Et ce que je citais tout à l'heure, c'est notre proposition de l'équipe de l'Institut d'économie pour le climat, qui est de créer des plateformes régionales qui pourront ensuite distribuer des projets aux bonnes échelles communales, intercommunales, suivant les cas. Mais encore une fois, je pense que sur le sujet de l'adaptation, partons de la géographie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux vous demander de remercier tous nos intervenants, ceux qui sont descendus, ceux qui sont là, le ministre en visio. Merci à tous et merci pour vos apports. On prend 10 minutes de pause. Vous l'avez compris, toujours le temps qui nous manque pour une deuxième table ronde très importante avec beaucoup d'intervenants là aussi sur la transition numérique. Merci.